plaît sous tout son besoin qu'on est sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîner. Bulletin Sport dans le journal à la ronde badaille chaque matin, yon véritable tonique branché sport yo, pas jamais raté. Radio Ibo dans un fait sport tout, pas gay menti dans sa pirette. Bonjour pour nous toutes, jeudi c'est vendredi 22 juillet 2022. Nous avons tout passé un bon vendredi et nous avons tout passé un bon week-end sur Radio Ibo. Mais quelques temps pour nous parler de journal sport, nous avons pour nous parler de l'actualité football en Europe et notamment actualité marché transfert, des nouvelles de Chelsea, bientôt de Football Club Barcelone. Nous avons parlé également de matchs pré-saison et qui peuvent jouer pendant un temps là pour préparer justement une nouvelle saison. Juventus de Turin au programme jeudi. Gagner plusieurs matchs à l'affiche demain. On a bientôt pour nous parler de football allemand qui est en deuil avec la mort Uwe Seele, une ancienne légende de football paysan. Et puis on a parlé tout de athlétisme et dernière information concernant mondial athlétisme et notamment finale 200 mètres que tu as faite hier. Et bon, la caille, monsieur, et bon, la caille, mesdames, on a bien résultat. Résultats. Et tu es branché pour détails, on a tourné. Depuis l'existé, Unibank a dit chaque jour, n'a fin pi plus, pas vrai? Eh bien, je dis à, c'est à qu'on fait ma yolidi, honneur, respect. Ou même qui était Forjac, Kesko, Fissi, Obléon, Duplan, Létan, Derivière, Meli, Chambon, Bello, Godet, Marian, Axon qui entoure yo, Unibank a tenu nous dans le nouveau ski salia, qui chita en deux complexes, Mission Baptiste là, fait ma 62. Wololoy, gardez aussi qui sale bien bordé, ni manque déposé pour nous non. Dans la fraîcheur des hauteurs, à tout ATM disponible 7 sous 7, 24 sous 24. C'est parti belle. Yon équipe solide et dynamique, paré pour recevoir nous à respect et courtoisie. Chaque jour qui joue, à bon jeu qualité service 5 étoiles, qui fait jodi à tout le monde d'accord vous dit. Unibank, c'est banque tout haïtien, tout le monde. Unibank, c'est banque pao, c'est banque pam tout. C'est un banque jam qui va dormir, qui travaille chaque jour qui joue. Pour rendre la vie plus facile. Sorti dans ça. Mais bon, bank, c'est même côté nous caler. On nous fait rouler ensemble à Unibank. Une fois encore, gros bonjour pour nous toutes. Jeanne Tabdil, un titre actualité à c'est football. Et on a commencé avec nouvelle ça concernant le football allemand qui est en deuil depuis hier avec la mort. Uwe Seele. Uwe Seele, c'est un ancien attaquant allemand qui mourit hier à l'âge de 85 ans. Uwe Seele a joué dans Hambourg SV et c'était également attaquant sélection nationale pays l'Allemagne. Dans l'histoire phase finale Coupe du Monde, il y a seulement 4 joueurs qui arrivaient inscrits au moins un goal
dans 4 coupes du monde différents. Et OVC le fait partie de joueurs ça. L'autre joueur c'est Pelé qui fait ça, Miroslav Klose fait ça, Cristiano Ronaldo fait ça et gain OVC le qui fait ça. Donc 4 joueurs seulement qui fait goal dans 4 coupes du monde différents. OVC le là d'ailleurs, monsieur était capitaine sélection l'Allemagne là sorti 1962 arrivé 1970. Monsieur fait ville a joué pour un seul club là, un beau SV. Et même s'il n'a jamais gagné phase finale Coupe du Monde là, mais c'est une légende du football allemand. Il est un meilleur buteur histoire football pays ça a tout. Il a remporté l'été en fait finaliste dans mondial 1966 là. L'Allemagne était perdue finale ça contre l'Angleterre. C'est monsieur qui était capitaine sélection allemande ça. Ouvé c'est le 43 goals en 72 sélection nationale. Monsieur qui défait mes carrières en 1978. Voilà donc football allemand qui a créé une légende Lio. Ouvé c'est le qui mourit hier à l'âge de 85 ans. N'a pas quitté information ça pour nous dire que gagné Sadio Mané lui-même international sénégalais qui est élu meilleur joueur africain de l'année. Sadio Mané prend un titre ça pour la deuxième fois de suite, puisque dernière édition qui était faite en 2019, eh ben, c'est encore Sadio Mané qui était remporté trophée ça. Donc, monsieur Prani, comme ça gagne 3 ans de ça, il a remporté FA Cup là, Anissa, il a remporté Coupe de la Ligue anglaise là, Anissa, à Liverpool, et, n'a pas rappelé, il était également gagné, Coupe d'Afrique des Nations avec Sénégal. Donc, Sadio Mané, meilleur joueur africain de l'année selon trophée CAF, CAF Awards, que Confédération africaine de football te remettre dans le classement. Sadio Mané, qui a joué dans Bayern, Munich, Kounia, je devançais ancien partenaire dans Liverpool, Mohamed Salah, et compatriote Lee, goalkeeper Chelsea, Edouard Mendy. Voilà donc Sadio Mané, meilleur joueur africain de l'année. On dit que c'est pas seule figure du Sénégal qui joue une récompense dans Galassa hier soir. Gagne tout Aliou Cissé qui reçoit distinction comme meilleur entraîneur de l'année et gagne Papi Matassar qui prend titre meilleur espoir de l'année dans distinction en CAFIO. Nous allons parler football européen kounya pour nous dire que gagné hier un amical Liverpool qui écrasait l'équipe Leipzig 5-0. Liverpool a multiplié match amical de préparation et match hier là fini par une victoire avec 4 goals de nouveau venu Darwin Núñez. 4 goals de Darwin Núñez en seconde période et Liverpool t'est mené 1-0 à la mi-temps sous un goal de Mohamed Salah depuis la 8e minute de jeu. Et c'est ça là donc qui était ouvri score. Et puis après ça, deuxième mi-temps, le festival de Darwin Núñez. Monsieur fait 4 goals dans le match. Alors Darwin Núñez qui est lié, c'est un Uruguayen qui a 23 ans, que Liverpool a acheté pendant l'été à la. Son joueur formé dans Peñarol, qui était débuté également en carrière professionnelle dans Peñarol dans l'année 2017 en Uruguay. Ensuite, monsieur fait une année dans Almeria en Espagne. Après ça, le traversé fait 2 ans dans Benfica de Lisbonne. Et c'est là que Liverpool repéré lui. C'est là Liverpool acheté. Liverpool, donc, signe un joueur ça, mais avant même que M. traversé dans Liverpool, il était fini meilleur joueur du mois de septembre 2021 dans le championnat portugais. Et plus toujours, M. fini meilleur buteur dernier championnat portugais pour saison 2021-2022. Il fait 26 goals en 28 matchs. Donc, très bonne saison pour Darwin Núñez du côté du Portugal saison dernière. Et Liverpool a acheté joueur ça. 14 juin 2022, Liverpool signe officiellement Darwin Núñez. Qui vient joindre Liverpool pour 75 millions d'euros. 75 millions d'euros. Et ça a arrivé jusqu'à 100 millions si on inclut bonus. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool. Là, inclut bonus là-dedans. Monsieur Pral Poté numéro 27 là, dans Liverpool. Et c'est seulement 3e joueur uruguayen qui a joué pour l'équipe Liverpool là, après Luis Suarez et Sebastián Coates. Voilà donc Darwin Núñez qui a joué dans Liverpool, son Uruguayen qui saute meilleur buteur championnat portugais. Liverpool a acheté les IEM, il fait 4 goals. Fondi,
que si un joueur a gagné pas mal de critiques sous lui pendant les derniers temps, ça y est, parce que d'après un peu le monde, profil, je sais pas vraiment profil Liverpool, eh bien, Jürgen Klopp qui t'a parlé hier après victoire Liverpool 5-0 sous Leipzig, Jürgen Klopp parlait de soirée parfaite pour le joueur uruguayen. J'étais rentré dans la deuxième mi-temps et t'as qu'on dit il fait 4 goals et ce sont là ses premiers buts avec Liverpool. T'as qu'on débat, t'as qu'on dit sous Nunez et Jürgen Klopp dit meilleure façon pour toute discussion ça au suspend, eh ben c'est ça monsieur fait hier et 4 goals dans un match et Jürgen Klopp dit c'est un attaquant différent de ça nous gain là yo, c'est un attaquant différent de ça nous terrain yo, mais c'est un très bon attaquant. Déclaration Klopp à ce sujet. N'a pas rappelé que hier, Liverpool était aligné Mohamed Salah, Roberto Firmino et Luis Diaz dans l'attaque là. Et Darwin Nunez s'est rentré, il était rentré en cours de jeu. Notez que reste 11 de départ Liverpool là, t'es gagné là-dedans Thiago Alcantara, Fabinho, Naby Keita, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Goalkeeper, c'était Adrian. Voilà pour Liverpool qui écrasait Leipzig en amical de préparation hier. 5-0. Et toujours dans cause match amical pour préparer nouvelle saison. N'a pas noté que Juventus de Turin a joué à Souéa. À Souéa, Juventus au programme à 10h face à l'équipe Chivas de Guadalajara. Et Chivas sont équipe mexicaine. Et équipe Mexico, notamment América du Mexique, joue un pile match contre de grands clubs européens pendant tournée nord-américaine ça. Et Massimiliano Allegri, hier, fait qu'on est assez sous football mexicain. Allegri dit que Chivas sont équipe très bien organisée. Et c'est pour le premier dans 3 matchs que nous pourrons jouer dans tournée européenne, tournée nord-américaine ça. Juventus qui vient pour le jouer contre Chivas. Jeudi 22 juillet à Las Vegas, il y a joué ensuite contre Barcelone dans Dallas le 26 juillet et en troisième match contre équipe Los Angeles là, alors contre équipe Real Madrid là qu'a fait à Los Angeles. Donc voilà, Juventus contre Chivas Asuera, ensuite contre le Barça le 26 juillet et ensuite contre le Real à Los Angeles le 30 juillet. Donc voilà, c'est pour la tournée américaine Juventus là avec 3 matchs à eux précisément. Voilà donc pour la vieille dame qui est en préparation. On dit que matchs à eux aux États-Unis et là d'ailleurs qui est assez cher. Football Club Barcelone par exemple a joué contre New York Red Bull dans fin mois de juillet ça et match à la fête New Jersey même. Donc on est que New York Red Bull le stade là c'est Red Bull Arena. Red Bull Arena qui trouvait le dans New Jersey même dans Harrison et ben match ça ticket puis qui bon marché hein ticket qui bon marché hein les vini $602 hein pour le moment et prix capable ça dépend et augmenter dans jour qu'a vini là yo stade ça c'est un stade de football spécifique qui donc accueille match football seulement un stade qui capable qui environ 20,000 monde c'est là Barcelone va jouer contre New York Red Bull dans fin mois n'a gain l'occasion retourner sous ça c'est donc des matchs plutôt cher aux États-Unis match amical ça yo pour préparer nouvelle saison club européen yo. Et puis NAP qui était actualité football pré-saison et côté championnat pour nous dire que gagnait Chelsea qui est même sur le point là pour gagner bataille pour Jules Koundé hein. Barcelone semblait avoir perdu bataille ça hein. Jules Koundé pas t'y fait voyage là avec Football Club Séville dans un premier temps, même si rejoint Lagos au Portugal, côté actuellement FC Séville en concentration. Mais information que médias espagnols ont rapporté, notamment le journal Marca, fait qu'on est, que c'est vraiment Chelsea qui est en pole position dans la bataille ça pour gagner Jules Koundé. Oui, c'est information, yo. Et d'après information ça yo et même dans entourage Football Club Séville eh ben yo gagné ça très clair comme idée que Jules Koundé pralé dans Chelsea en tout cas pour le moment il est très proche et que Football Club Barcelone intérêt Barça a disparaître progressivement c'était un intérêt réel mais club catalan le Barça semblait pas paré pour la décaisser autant pour défenseur Football Club Séville français à Jules Koundé. Barcelone Chelsea offrit lui-même 65 millions d'euros et Paris pour le payer joueur 12 millions d'euros l'année
comme salaire. Et Barcelone, apparemment, pas capable de concurrencer Offsa de Chelsea à Séville, de Chelsea à Jules Koundé. Situation donc difficile. On dit que Xavi Hernandez était très intéressé par jouer ça. Xavi était même parlé d'après information yo plusieurs fois à Jules Koundé pour lui expliquer le projet, pour lui montrer l'intérêt pour ça, pour lui. Mais c'est une opération vraiment de grande envergure qui est capable de pigou vente dans toute histoire Football Club Séville et Barcelone pas semblé paré économiquement pour là dans duel ça avec Chelsea. Barcelone qui dépassait déjà en pile sous marché transfert là. On dit que hier Joan Laporta a été répondu aux fanatiques pendant les Las Vegas, hein, fanatique là qui a demandé est-ce que n'a pas signé Jules Koundé. Eh ben Joan Laporta répond pour le dire et non, Jules Koundé non parce que Chelsea acheté le. Voilà. Donc Laporta qui te répond comme ça est assez direct à un fanatique. Donc Barcelone semblait a perdu duel ça donc en attendant et information officielle yo. N'a pas rappelé que ça gagne quelques jours après officialisation nouvelle Rafinha dans Barça, ça a environ une semaine. Et bien, Joan Laporta a clairement dit qu'on y a là, nous prenons le travail sous défense. Là. Et pour le moment, il y a un focus pour le Barça, c'est qu'on est qui est exactement Barcelone après hein, au niveau de la défense. Il y a aussi un Christensen déjà à voir. Est-ce que y a aussi un Azpilicueta qui est l'autre joueur qui n'a agenda dirigeant Barça pour nouvelle saison ça. Hein. Voilà donc affaire à suivre et le Barça qui continue à animer et marché transfert là en Europe. Et puis dans l'autre nouvelle gagnant chez toujours sous Mercato, Daniel Alves qui semblait pas le rebondir au Mexique. Oui, Daniel Alves, arrière latéral droit brésilien qui a 39 ans, laissé libre par le Barça, eh ben monsieur va l'engager là avec équipe Pumas là au Mexique. En tout cas, pour Mas, c'est officiellement communiqué sous ça hier jeudi et c'est prêt à l'engagement jusqu'à la fin de la saison. Ils ont fait une petite vidéo hier qui a publié sur Twitter, équipe pour Mas, là, côté mascotte équipe là. Mascotte équipe là, dit Daniel Alves, Naptanou. Et Fon dit que c'est prêt donc en signature jusqu'en juin 2023 avec les Pumas. Pumas qui était fini 11e dans le dernier championnat de clôture au Mexique. Et n'a pas rappelé que Daniel Alves était joué en partie dans la dernière saison à Football Club Barcelone. Il était rejoint l'équipe ça en novembre 2021 après que le contrat était fini dans Football Club São Paulo au Brésil. Et Daniel Alves et son vétéran, 125 sélections nationales, 8 buts avec le Brésil. Eh bien, monsieur, sur le point là, donc, pour les changer d'air et rejoindre en l'autre championnat. Monsieur, c'est ancien joueur football club Séville tout. Et il est toujours dans petit papier, entraîneur brésilien, sélectionneur Tite, qui était même récemment confié le brassard capitaine, affaire à suivre. Donc, Tite voulait, en fait, Daniel Alves voulait et mettait toute chance sur beaucoup d'elle pour jouer. Coupe du Monde 2022 au Qatar et rebondi là en Pumas au Mexique, c'est possibilité pour le jouer davantage et donc continuer rester embagé Tite. Et puis demain samedi gagner plusieurs matchs intéressants dans le cadre de tournée nord-américaine Club U en Europe. Demain gagne Classico hein, Real Madrid contre Football Club Barcelone. Match ça c'est pral premier classico saison, même si son classico amical. On va avoir plus de détails un peu plus tard, mais match ça, c'est à 11h demain soir. Et pas seulement gain Real Barça dans pré-saison demain, gain tout, toujours demain, Arsenal Chelsea. Donc, derby londonien, match ça à 8h du soir, demain, contre Bayern Manchester City tout, à 7h du soir demain. Voilà. Donc, demain soir, c'est une belle soirée européenne, et mais en terre américaine. Donc, quelques gros matchs qui gagnent couleur Ligue des Champions. Qui pourra jouer aux États-Unis et plus précisément en soirée samedi. Et puis, on a fini avec une nouvelle sous athlétisme pour nous dire que finale 200 mètres là, en fait, hier, dans le mondial athlétisme, au Cap joué du côté de l'Oregon aux États-Unis. Et c'est Sherika Jackson, Jamaïcaine, là, qui remportait 200 mètres là. Donc, Jamaïcaine, il fait Razia sous sprint là. Il prend 100 mètres là avec Shelly Ann Fraser-Pryce. Il prend également 200 mètres là, avec Sherika Jackson
qui fait course là en 21 secondes 45. C'est deuxième temps de l'histoire, donc deuxième meilleur chrono dans toute l'histoire. Thierry K. Jackson qui remportait médaille d'or là. Et bon là, quand monsieur yo, c'est Noah Lyles qui sont américains qui remportait 200 mètres là, que le courir en 19 secondes 31. Ça qui c'est troisième meilleur temps dans toute l'histoire. Faut dire que Thierry K. Jackson, jamaïcain là, hier, les devancer et compatriotes lui, Shelly Ann Fraser Price. Donc, Fraser Price prend 100 mètres là et finit deuxième sous 200 mètres là. Jamaïcain yo, songez bien, yo t'es fait, podium nan 100% nan 100 mètres là. Et donc, voilà, nan 200 mètres là, yo fait premier et deuxième place. Troisième nan son britannique, Dina Asher Smith. Voilà, donc côté féminin. Et puis, côté, et messieurs, tant qu'on nous dit, c'est Noah Lyles qui remporte l'île et c'est le nouveau record des États-Unis. Et Noah Lyles qui fait course ça en 19 secondes 31. Voilà pour l'actualité de l'athlétisme. Et c'est là nous camper. Merci en pile à vous-même qui tape suivre page Sport Journal à la Ronde Badet pour jeudi 22 juillet 2022. C'était un plaisir, comme chaque matin d'ailleurs. Passez un bon vendredi et un bon week-end sur Radio Ibo. Chaque matin dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toute nouvelle sous sport. Il y a une bulletin nouvelle sous toute qualité sport. Il y a un résumé complet sous tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné. Bulletin sport dans le journal à la Ronde Badet chaque matin, il y a une véritable tonique branchée sport, pas jamais raté. Radio Ibo dans affaire sport tout, pas gué menti dans ça, pire raide.